Ouais, c'était chaud, la GoPro elle est passée dans la stagienne. Crazy guys. Yeah. Le spot est incroyable par contre. Je suis allé le voir là ce matin et franchement on voyait rien de nuit, mais là ça a l'air très très cool. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au Portugal et on s'est réveillé à côté d'un petit spot bien stylé. Le spot c'est une petite cascade perdue au milieu de la campagne et il y a l'air d'avoir des petites hauteurs. Du coup on va checker s'il y a du fond et ça va partir. Bon, l'eau est pas aussi bleue que ce qu'on pensait, elle est un peu marron, mais c'est pas grave parce qu'il y a quand même des cliffs qui ont l'air cool. On sait pas trop encore combien il y a de mètres, on n'arrive pas trop à savoir, on est un peu brain en ce moment entre la mer, les spots naturels, tout ça, je sais pas, on n'arrive plus trop à se rendre compte. Moi, d'œil, je dirais qu'il y a peut-être 12 mètres. Faut toujours mesurer parce qu'il faut jamais se faire surprendre. Si c'est trop gros et qu'il n'y a pas assez de fond, ça peut vite être dangereux, donc on va mesurer tout ça. On est à 16 mètres pile. Wow. Ok, ça fait 16 mètres, on s'est encore fait brain. Louis, il va falloir revoir les distances là. En fait, je trouve, ah, c'est chaud là. Maintenant, faut checker le fond et après ça va partir. Non, j'y arrive pas. Elle est stylée quand même la petite cascade. Je pense que ça va être bien cool de cliquer dedans. Au moins la cascade elle remue bien l'eau et c'est mieux pour les repères, comme ça on voit bien l'eau avant d'arriver. C'est deep. Oh yes. Bon, on a trouvé un petit rope swing, il a l'air vraiment cool. Du coup bah je vais faire le crash test et je vais l'essayer. Wow. C'est pas incroyable. Elle m'a envoyé un peu sur le côté mais en vrai je pense que c'est moi qui ai fait de la merde. Matt il voulait faire double échappe, il a complètement raté et du coup il a fait échappe, back, demi, il me plongeait, genre sans faire exprès. C'était trop stylé mais genre c'était tellement pas contrôlé, c'était incroyable. Ouais c'était chaud, la GoPro elle est passée genre à la stagienne. Incroyable. Ah oui. Bon là, le rope swing c'était bien cool et on va essayer de faire le tour et de monter, il y a des petites jumps, donc on va aller checker ça. Il y a un saut de 10 mètres. Le départ est assez sketchy mais on va voir ce qu'on peut y faire. On s'est chauffé au rope swing et au saut de 10 mètres, c'était vraiment sympa, on a fait quelques accros, quelques plans drone. Et là on va s'attaquer au gros, le 16 mètres qu'on a mesuré tout à l'heure. Tu le sens comment Matt? Ah bah je le sens très bien. C'est que du plaisir ça. Là ça va être que du kiff, il y a l'élan parfait, il n'y a pas de vent, il fait beau, il y a du fond. Il y a juste à cavaler et à se lancer en vrai. Oh!
Crazy guys. Yeah. Tu es mal de la tête. Oh, c'est tellement du plaisir. Incroyable. Le airtime, c'est indescriptible, c'est ce genre de sensation. C'est ouf. On vient de faire le saut avec les gars, ça s'est super bien passé. Le airtime est vraiment très kiffant. Et moi, je pense que je vais me chauffer à le faire en gainer. Ça fait un petit peu peur parce que le départ est pas vraiment parfait. C'est un caillou qui est un peu qui glisse un petit peu. Et surtout, y a des arbres à passer en fait, donc il y a un gap. Mais je sais pas, ça m'a mis en confiance. Le spot est vraiment cool. Donc ça va le faire, c'est sûr. 2, 1, let's go. Putain, c'était vraiment fou. Encore un putain de clip incroyable, trop trop agréable. Le spot est vraiment stylé, ça fait trop plaisir. Ça y en a fini la petite session cliff. Puis ce genre de spot 16 mètres là, c'est vraiment parfait parce que il n'y a pas de raison de se mettre la pression parce que c'est pas non plus énorme. Et en même temps, il y a un peu de hard time pour kiffer. Et puis avec le petit rope swing là, ça régalait. Franchement, tout le monde a bien kiffé. Là, on va aller manger, je pense, et puis enchaîner sur un autre petit spot qu'on a repéré. C'est parti. Bon, c'est la fin de journée. Il commence à y avoir quelques lueurs du coucher de soleil. Et on a repéré tout en haut de cette montagne là, des petits bâtiments. Du coup, on va aller voir ce que ça rend. C'est parti. C'est magnifique. Ça valait le coup de monter aussi haut. On a découvert ce petit spot sur les hauteurs comme à notre habitude. Là, ça va partir en plan drone pour le coucher de soleil. À mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.